Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Coucou les amis. Compliqué la spiritualité. Ouais. On devient persona non grata pour vos entourages, votre entourage, vos amis. Bref, pour ceux qui vous connaissez et qui vous retrouvent plus. On m'a reproché que on me reconnaissait plus, j'avais trop changé. Ah, et puis pas en bien, en mal. Bah oui, en mal. Parce que je voyais plus les choses comme les autres. Non. Je réagis pareil. Je deviens indifférente. Je me remets pas en question. C'est terrible hein, d'entendre ça de la part des gens qu'on aime. C'est terrible. Ça fait très mal. Très mal. Alors, je savais hein, que il allait y avoir un revers de la médaille. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Parce que comme on ne pense plus comme les autres, comme on ne voit plus la vie comme les autres, et ben c'est nous qui ne sommes pas bien. On me dit que je ne me remets pas en question, mais ceux qui ne me disent pas ne se remettent pas en question non plus. Ce qui fait que quelque part, ben, ça bloque. Ouais. Je suis... sérieux, je suis triste. Ouais. Oh non, pas d'être dans la spiritualité. Hein, ça, non. Puis je ne reviendrai pas en arrière. Non. Non, c'est le comportement des gens qui me rend triste. Oh, le temps que ça va, la pilule, après, ça ira mieux. Mais encore ce soir, là, on en a reparlé. Et... ça passe pas. Hein. Ça passe pas. Alors, quelque part, je me demande si le fait que je développe pas plus les dons que j'ai, ça serait pas parce que je voudrais pas avoir des retours encore plus douloureux. Peut-être. Il faudrait que je travaille là-dessus. Ah ouais. On voit plus les choses comme les autres. On n'est plus pareil. On devient des marginaux. On devient des personnes qu'on ne connaît pas. Ah, tu changes. Bah oui, je change. C'est le but, c'est de changer. C'est pas de rester tout le temps pareil. C'est de changer. Non. Il faut pas. Si on change, on n'est pas bien. Si on change, on est malade, on est... on a été manipulé. Alors, si on change, on est malade, on est manipulé. Par des sectes, par des... voilà. Je vous fais cette petite vidéo, cette petite capsule-là... à chaud parce que franchement je m'attendais pas à ça. Déjà que le système nous enlève pas mal de liberté, si en plus notre entourage nous enlève le reste, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Moi, quand je suis pas d'accord dans la famille, quand je suis pas d'accord avec un truc ou un machin, je laisse couler. Je sais bien, chacun son opinion, hein, on laisse faire. Mais moi, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Moi, j'ai pas le droit d'avoir mes opinions,
Je n'ai pas le droit d'avoir mon avis. Et non, s'il ne colle pas avec les autres, je n'ai pas le droit. Voilà. Mon opinion, mes avis, mes idées personnelles, comment j'aimerais voir le monde, pas le droit. Non. C'est comme ça. J'ai pas le droit. Mais on connaît mal. Parce que même si je dois tout y laisser, je continuerai. Je peux pas revenir en arrière. C'est impossible de revenir en arrière. Je sais même plus comment j'étais il y a quelques temps de ça. Ah si, je disais amène à tout. Voilà, si. Maintenant, c'est pas le cas. Donc, maintenant, je dis pas amène, je dis rien. Ça dérange encore plus de rien dire. Si on n'est pas d'accord, pas besoin de déblatérer pendant des années, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Sauf que la personne qui est en face, elle dit, ouais, mais tu te refuses au débat. Ben, je ne me refuse pas au débat. De toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, on ne sera pas d'accord. Je vois pourquoi on irait se lancer dans un débat, comment dirais-je, un débat inutile. Un débat qui finira en autre boudin, voire en engueulade, voire en prise de tête, je vois pas. Donc c'est pas la peine. Partir sur un débat qui mène à rien, ça a rien. Eh ben c'est pas normal, voilà. C'est pas normal. Alors bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Prendre du recul. Ouais, c'est une bonne solution. Prendre du recul, lâcher prise, attendre que ça passe, et puis continuer ce que mon cœur me dit de faire. C'est marrant parce qu'en ce moment, j'entends souvent le mot couverture, 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 couverture. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois faire des couvertures? Ça me changerait les idées, hein, quelque part. Ou couverture, genre protège-toi. Je sais pas. J'entends le mot couverture tout le temps. Ça va bien, hein. En attendant, je fais une couverture. Peut-être qu'elle servira à me protéger l'un dans l'autre. Allez savoir. Bon, ben voilà. C'était ma petite déprime du soir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère que chez vous, ça va mieux. Et puis que les choses se passent bien. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, écoutez... Moi, je vais faire pour le mieux et continuer à être marginale et à dire ce que je pense. Je l'ai toujours. Enfin, ça fait un moment que je le fais, je vais pas m'arrêter maintenant. Ça plaît pas. Et puis, c'est comme ça. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Confiance et foi. Voilà. Bonne soirée, les amis. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.